N'avez-vous jamais eu l'impression d'arriver à un tournant de votre vie? La sensation que tout s'accélère autour de vous, mais que vous, vous êtes dans l'impossibilité d'aller de l'avant. Vous étiez si pressé que le temps passe, mais désormais, vous regretteriez presque d'avoir été si impatient. Soudainement, vous êtes submergé par une vague de nostalgie qui vous rappelle ces moments où tout paraissait si clair, où rien n'avait d'importance, mais tout avait un sens. Vous ressentez alors le besoin de vous retourner. C'est ce sentiment qui m'anime aujourd'hui. J'emprunte des routes secondaires qui me semblaient si lointaines et infranchissables à l'époque. J'ai longtemps cru ne plus jamais les parcourir. À mesure que je m'approche de mon but, je suis envahi par un sentiment contradictoire d'excitation et de peur. J'appréhende ce que je vais y découvrir. Une chose qu'il semble difficile à imaginer lorsqu'on se retrouve par hasard dans un village comme Oisigny, situé au fin fond des Ardennes, c'est le fait qu'il ait pu connaître un passé glorieux, une époque que j'ai à peine connue, où il y faisait bon vivre et où l'activité y était dynamique. Étant gosse, j'ai connu le village lorsqu'il y avait encore une boucherie-charcuterie, une poste, une menuiserie, un café, un salon de coiffure, un garage et un médecin de campagne. Fin 19e, Oisigny comptait plus de 1000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 340. La population continue de diminuer chaque année, laissant derrière elle des maisons abandonnées, partant en ruine. Les anciens disent que ça a commencé à changer à partir des années 70, initiée par la fermeture de la gare. Dès lors, les commerces ont mis la clé sous la porte les uns après les autres. On atteint cette année un stade critique. Le salon de coiffure a fermé ses portes, laissant comme dernier commerce encore actif la boulangerie du village et un fleuriste. Il reste également un pôle scolaire, maternel et primaire, accueillant les enfants de Oisigny et des villages voisins. Autre problématique, dans les faits, Oisigny concentre pas moins de 4 bâtiments classés au patrimoine historique: halles, châteaux, fermes du château et églises. Le problème étant que cela impose un certain budget et d'énormes contraintes lors des travaux éventuels dans une région où les gens manquent cruellement de moyens. Résultat, le village tombe en partie en ruine. Vouloir sauver les traces de l'histoire est évidemment quelque chose de louable, mais je m'attriste du fait qu'elle ne s'attache qu'à en garder la surface. N'est-il pas ironique de laisser mourir quelque chose par volonté de le sauvegarder ? On se positionne beaucoup de nos jours sur la question de l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Comment alors assumer leur regard accusateur face à tout ce gâchis? Je dirais qu'on se méprend parfois sur l'idée de progrès, car si certaines choses parviennent à évoluer, cela peut se faire au détriment d'autres choses qui tendraient plus à être conservées plutôt que dépassées. Si j'ai pu trouver la force grâce à ma nostalgie, n'est-ce pas là une bonne idée que de s'en servir comme d'un regard tendre sur le passé, pour mieux se projeter vers l'avenir? Cela peut être une manière pour chacun de mettre sa pierre à l'édifice. Toutefois, je repars avec mon lot d'inquiétudes. Que va-t-il advenir des villages comme Oisigny ?